On devrait pouvoir remercier l'homme qui fait ça. Pour ça, mais on ne voit rien à ces gens-là. On les nourrit, c'est déjà trop. Tu es libre. Ce sont tes épaules qui te valent ça. Le maire de Toulon a demandé que tu sois récompensé pour ton petit exercice de l'autre jour avec la statue de l'hôtel de ville. Alors, tu devais quitter le bagne le 1er octobre. Tu partiras aujourd'hui. Et va t'habiller et puis chercher ton passeport. Bien. T'es pas content? Si. Tu feras viser ton passeport à la mairie, dans tous les lieux où tu passeras. Compris? Il faut qu'on sache qui tu es. Oui, compris. Alors ça ne doit jamais finir. Après la chaîne, c'est le passeport. Voilà ce qui te revient. 109 francs, 15 sous. Allons, signe. Moi, j'avais compté 171 francs, moi. Tu n'as pas à compter. L'État compte pour toi, et il ne se trompe jamais. Allons, signe. Allez. Je te rappelle qu'en cas de récidive, tu rentres ici et tu n'en sors plus, hein? Je le sais. Merci.
combien? C'est 4 sous, Emma. Oh, ça fait au moins 15 ans de paye, ça. 19 ans. Et encore, ils m'ont volé. Il manque 2 sous, toi. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi. Voilà. Où c'est que tu vas? À Pontarlier. On demande des gars pour le terrassement. C'est bien payé. Seulement, c'est loin. C'est loin. Si c'est loin, tant mieux. 19 ans de bagne, tu penses? Faut que je les bouge, moi. Faut que ça marche. Allez! Où c'est, ça? Pontarlier? Oui. Ben, tu montes vers le nord, tu passes à Grasse, tu passes à Riez, tu montes à Digne et tu vas chercher Briançon. Quand tu seras là-bas, ben, tu demanderas. C'est Digne, ce village là-bas? Oui, oui, c'est Digne. Où se trouve la mairie? Derrière l'église, vous ne pouvez pas vous tromper. Pourquoi qu'on ne veut me donner ni à coucher ni à manger dans votre ville? On n'a pas voulu. Voilà, on m'a chassé de partout. Et à cette porte, avez-vous frappé? Quelle porte? Là. Non. Frappez à cette porte, on vous recevra. Entrez. Entrez, mon ami. Voilà. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai volé un pain chez un boulanger.
On m'a rejoint, j'ai cogné. On l'a pour 5 ans. J'ai essayé 4 fois de m'évader. On l'a pour 14 ans. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Je comptais dormir et manger ici. On m'a chassé de partout, rapport à mon passeport jaune. Et une vieille bonne femme m'a dit que je serais reçu chez vous. Qu'est-ce que c'est chez vous? C'est une auberge? Oh, je peux payer, j'ai 109 francs et 15 sous. J'ai gagné par mon travail en 19 ans. J'ai fatigué. J'ai faim. Je peux rester? Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Mais... vous ne m'avez pas entendu? Je suis un galérien, un forçat, je sors du bagne. Vous connaissez ça qui sert à me faire chasser de partout? Vous savez lire? Et rester 19 ans au bagne. Homme très dangereux. Vous vous rendez compte? Je suis très dangereux. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Oui. Monsieur, nous allons souper dans un instant. On fera votre lit pendant que vous mangerez. Vous me gardez? Un lit? Avec un matelas et... et des draps, comme tout le monde. Il y a 19 ans que je n'ai pas dormi dans un lit. Vous me gardez à souper. Et vous m'appelez monsieur. Mais qui êtes-vous donc? Je suis un prêtre qui demeure ici. Débarrassez-vous, mon ami. Madame Magloire, voici une lampe qui éclaire bien mal. Prenez place. Benedicite Dominus notas totus solus sumpturi per Christum dominum nostrum. Amen. Mais il me semble qu'il manque quelque chose. Sur cette table.
vais vous conduire à votre chambre. Allons, faites une bonne nuit. Oh, mais dites donc. Vous êtes fort? Vous me logez à côté de vous, comme ça? Regardez rien? Et qui vous dit que j'ai pas tué? Cela regarde le bon Dieu. Il a volé les couverts d'argent. Aussi, a-t-on idée, monseigneur, de recevoir un homme comme ça? Oh, quel bonheur encore qui n'est fait que voler! Oh mon Dieu, mais c'est à faire frémir quand on y saute! Entrez! Monseigneur, nous venons, monseigneur. C'est un évêque. Vous avez arrêté cet homme? Vous vous êtes mépris, ce n'est pas un voleur. Les couverts, c'est moi qui les lui ai donnés hier soir, avec deux chandeliers d'argent. Il est très pauvre et je n'avais rien d'autre à lui donner. Pourquoi n'avez-vous pas emporté vos chandeliers? Madame Magloire, allez les chercher. Il va travailler à Pontarlier. Laissez-le. Comme ça, nous pouvons le lâcher? Vous le devez. Voici, mon ami. Allez-en en paix. Si vous passez par ici un jour, vous serez toujours le bienvenu. La porte de la rue n'est jamais fermée qu'au loquet, jour et nuit. Et maintenant, je peux vous souhaiter bonne chance. Car je sais que vous emploierez cet argent à devenir un honnête homme. J'en suis sûr. Au revoir, mon ami.
partie, l'âme légère et sans chagrin. Si la fortune vient près de moi, chacun, chacune me sourira. Monsieur, ma pièce. Ma pièce, monsieur, s'il vous plaît. Rendez-moi ma pièce. Ma pièce blanche, ma pièce de 40 sous. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est à moi, monsieur. Rendez-moi ma pièce, je veux ma pièce. Vous avez le pied dessus. Mais à la fin, vous êtes dans votre pied. Où es-tu t'en allé, toi, garnement? Qu'est-ce que c'est? Hé! Hey, elle me dit! Elle me dit! Ouais, des 40 sous, hé! Hé! Alors, où est-ce que ça? Hé, elle me dit! Hé! Ah! Petit! Hé! Reviens! Reviens par ici! Petit! Oh, oh, petit. Oh, oh, petit. Voyons, je peux pas garder ton argent, voyons. Viens. Viens. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un misérable. Je dois pardon, mon Seigneur. Toujours la chaîne. Il faut que ça finisse.
J'ai encore droit à la prochaine contredanse, c'est promis. C'est promis. Deux danses avec le même, mais tu te débauches. Non, mais il danse bien. Pas mal ton enfant blonde. Je ferai volontiers une petite proposition. Ah, rien à faire, mon vieux Tholomyès. Elle est pure. Ah, elle t'a envoyé promener? Imbécile, je te le dirai. Non, non, rien à faire. C'est la seule de la bande qui ne se laisse même pas tutoyer. Non. Elle vient danser ici le dimanche avec ses camarades. Elles sont toutes les quatre dans la couture. Mais celle-là, elle se garde pour le grand amour. Sans ça, tu penses bien que je t'aurais pas attendu. J'ai essayé. Moi, je crois que j'ai fait une conquête. Mais il a une grande barbe. Dis donc, on s'occupe beaucoup de toi à la table là-bas. De moi, tu crois? Mon vieux, pour parvenir à l'embrasser, faudrait au moins lui promettre le mariage. Si ce n'est que ça, je suis prêt à lui promettre tout ce qu'elle voudra. Qu'est-ce que tu fais au premier gosse? Collégien. Passe-moi ton tour de danse et présente-moi. Comment s'appelle-t-elle? Ah, Fantine. Fantine comment? Fantine. Elle est orpheline, elle vient de Montreuil-sur-Mer, elle n'a pas d'autre nom. Fantine. Viens. Écoute, y'a pas. Mademoiselle, permettez-moi de vous présenter un des plus brillants élèves de la faculté de droit, mon excellent ami Félix Tholomyès, qui vient de se jeter à mes pieds pour que je lui cède mon tour de danse. Monsieur. Monsieur Tholomyès. Mademoiselle Fantine. Oui, il faut le répéter. En 5 années, notre petite ville de Montreuil-sur-Mer a été complètement transformée. À demi-morte en 1815, elle peut rivaliser aujourd'hui avec les centres les plus prospères du pays. Grâce à qui? Grâce aux travailleurs infatigables, au grand honnête homme que sa modestie empêche de siéger aujourd'hui parmi nous, à Monsieur Madeleine. Voilà. Mesdames, messieurs, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. L'homme de bien qui vient de doter la ville de cette magnifique école professionnelle que nous inaugurons aujourd'hui, notre protecteur, notre ami, qui refusait la croix l'an passé, vient enfin d'accepter d'être maire de notre ville. Et qu'en pense la police, monsieur Javert? Mais c'est très bien, monsieur le notaire, très bien. Nous verrons par la suite. Monsieur Madeleine n'a pas seulement depuis 5 ans incarné dans notre ville le progrès social lui-même. Il a, par sa merveilleuse découverte, révolutionné l'industrie de la verroterie en France. Oui, oui, oui. C'est de la gomme lacre. C'est très bien. Ce n'est pas sorcier, mais il fallait y songer. Chez nous, voilà 10 ans qu'on travaille la question. Et votre monsieur Madeleine a trouvé ça tout seul? Mais d'où vient-il, cet homme-là? Qu'il vienne de Rome ou de Paris, il y a un fait. Ce même article, avant que monsieur Madeleine ait eu l'idée de substituer la gomme lacre à la résine, revenait 3 fois plus cher qu'aujourd'hui. Oui, c'est une idée qui a dû lui rapporter gros. Il doit être très riche. Peut-être. Et comment vit-il? C'est à lui le château que je veux près du bois. Non.
naturellement. Toujours vous, mademoiselle la Parisienne. Oh, mais madame... Silence. Vous serez à l'amende. Le château? Non. Monsieur Madeleine est en effet devenu très riche, mais il vit très simplement dans une petite maison. C'est un original. C'est un saint. Vous êtes un saint, monsieur Madeleine. Si vous aviez entendu ce qu'on disait de vous ce matin à l'inauguration, vous êtes un saint, monsieur Madeleine. Ne prononcez pas ce mot, monsieur le recteur. Un saint? J'en ai connu un véritable. Il est mort la semaine passée. C'est lui dont vous portez le deuil? L'évêque de Digne. Alors, Julie, madame, soyez tranquille. Votre petite Cosette est heureuse et vient bien. Seulement, elle n'a plus d'affaires. On lui a acheté un beau manteau pour ses 6 ans, comme vous l'aviez demandé. Envoyez 20 francs tout de suite, en même temps que le mois, que je suis obligé de porter à 10 francs. Envoyez donc 30 francs tout de suite. Votre très dévoué serviteur, Thélardier. Voilà. C'est bien écrit. Votre petite Cosette est heureuse et vient bien. Oui, oui, c'est écrit. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Attendez. C'est là la phrase. Votre petite Cosette est heureuse et vient bien. Oui, oui, c'est là. Là. Votre petite Cosette est heureuse et vient bien. Alors, vous répondez? Oui, monsieur, oui. Voilà, vous dites que j'envoie les 20 francs tout de suite, mais qu'il faut attendre un peu pour les 10 autres. Monsieur, je vous envoie tout de suite les 20 francs. Mais je suis obligé de vous demander d'attendre encore un peu pour les 10 autres. Oh non! Pas de ça! Si elle croit que je vais lui faire crédit, c'est pas le genre à m'enfermer. C'est pourtant pas difficile, faites comme elle l'est, de trouver de l'argent. Si elle veut qu'on garde sa fille, faut qu'elle crache, tu entends? Attends. L'écritoire. Cosette! Cosette! Voilà, madame! Eh ben! Tu peux pas répondre quand on t'appelle? Oh, puis il y a une heure que tes cruchons devraient être remplis. Et t'as même pas balayé la salle. Feignante! Allez, apportez l'écritoire tout de suite à monsieur Thénardier. Si tu crois qu'on va te nourrir, à ne rien faire. Eh bien, Cosette! Eh ben, allez, allez, file! Attends. Va demander à madame Thénardier les ordonnances que le médecin a faites pour Éponine et Azelma. Pardon, monsieur, les ordonnances? Quoi, je parle français? Les ordonnances qui est apportées chez le droguiste. Mais oui, quoi? Tu sais bien, Cosette, quand j'ai eu la rougeole avec Azelma. Ah, oui. C'est pour ça que vous arrivez en retard? Oui, madame. Il a bien fallu que j'essaie de trouver de l'argent. 40 francs, mais ils sont fous. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que c'est que cette petite? Et qui est-elle? À moi, madame. À vous? Vous êtes mariée? Non, madame. Je devais épouser un jeune homme de Paris, monsieur Tholomyès. Je l'aimais. Il m'a abandonnée et voilà bientôt 8 ans. J'étais enceinte. Et comme je n'avais pas d'argent, j'ai dû mettre ma petite
en nourrice à Montfermeil chez les aubergistes, les Thénardier. Bien, allez travailler. Je vous rendrai vos papiers tout à l'heure. Merci, madame. Chérubinette lui a pris toutes ses lettres. Oh, enfin, on va pouvoir respirer. Oh, soyez tranquille, ça ne va pas tarder. Quand Chérubinette tient le balai. Attention, Père Fauchelevent, vous allez me laisser. Attention. J'ai vu l'inspecteur par là. Viens, appelez-le. Le voilà. Allez chercher un cri tout de suite. Allez! Au secours! On va sauver le Père Fauchelevent! On est allé chercher un cri! On est allé en chercher un, monsieur le maire. Oh, il n'est pas encore là. Ah, on est allé au plus près, monsieur le maire. C'est le maréchal. Seulement, il faut attendre un quart d'heure. Mais on n'a pas le temps d'attendre, voyons. Ah, il faudra bien, monsieur le maire. Comment? Mais il y a juste la place pour un homme. Ça, il faudra quelqu'un pour qu'il se glisse là-dessous pour soulever la charrette sur son dos. C'est la seule façon de sauver ce pauvre vieux, voyons. Personne ne veut essayer? Alors, Saint-Louis, dis-lui. Il faudra être diablement peur, on peut y rester. Comment? Personne ne veut essayer? C'est pas la bonne volonté qui leur manque, monsieur le maire. C'est la force. Il faut être terriblement fort pour soulever cette charrette sur son dos. Bonjour, Javert. Bonjour, monsieur le maire. Qui va soulever la voiture? Pour faire ce que vous demandez, je n'ai connu qu'un homme. Hein? Un ancien forçat. Du bagne de Toulon. À moi! C'est tout! Mon personne? Allez. Madeleine, il risquait sa vie. On ne l'aurait jamais cru aussi fort. Oh, non, lourd pour un homme. Oh. On n'en peut plus. Tenez, Francine, voilà 50 francs.
Oh, merci, madame. Monsieur le maire regrette beaucoup. Vous êtes ici depuis 2 ans. Ce n'est pas son habitude de renvoyer une ouvrière qui fait ce qu'elle peut, mais on ne peut plus vous garder. Monsieur le maire vous engage à quitter le pays. Mais vous m'aviez dit tout à l'heure. C'est pas possible, on me renvoie. Comment vais-je faire? Je dois déjà 40 francs pour ma petite et plus de 30 francs à mon logeur. Monsieur le maire est désolé, il ne peut faire mieux. Allons, au revoir, Fantine. Vous pouvez partir tout de suite. Vous n'aurez qu'à rendre vos affaires au vestiaire à la sortie. Monsieur Madeleine, oh. Il ne peut pas supporter qu'on soit injuste. Monsieur le maire, c'est lui qui me fait chasser. C'est lui? Oui. Oh, ça m'étonne. Vous l'avez vu? Oh non, non, c'est l'inspectrice qui me l'a dit. Il veut même que je quitte le pays. Ah, c'est l'inspectrice qui vous l'a dit. Alors? Oh, ma femme. La sale femme. Ah, c'est vous. Entrez. Vous m'apportez ça. Hélas, monsieur, je viens d'être congédié de l'usine. Quand j'aurai envoyé les 40 francs pour ma petite, il me restera 10 francs. Je le regrette, mais il faut tout de même payer votre chambre. Je ne donne rien pour rien. Je ne suis pas un bourreau. Il faut que je sois payé d'une façon ou de l'autre. Vous comprenez, la belle? Hein? Non? Non? Alors, je suis désolé. Mais demain, faudra décamper. Oh, je vous en prie, monsieur. J'aime trop ma petite Cosette. Vous comprenez, pour elle, jamais je ne voudrais... Ça va, ça va, ça va. Débrouillez-vous. Vous êtes stupide, ma fille. Dites-vous bien que vous ne trouverez d'argent nulle part. Aussi, aussi, je peux encore en trouver de l'argent. Le coiffeur m'a dit qu'il me donnerait 20 francs de mes cheveux. Mais oui, tu peux vendre tes cheveux. Et même tes dents, qui sont belles. Et puis après, quand tu auras trouvé 60 francs, tout ça, et que personne ne voudra plus de toi, qu'est-ce que tu vendras? Hein? Dis, quand tu seras défiguré, qu'est-ce que tu vendras quand tu n'auras plus que ces 3 louis? Ces 3 derniers louis. Et elle voudrait qu'on y fasse crédit. Oh, oh, et puis quoi encore? Madame a peur de se prostituer. Mais pour qui qu'elle nous prend? On va y liquider la Cosette. Et puis ça va pas traîner. J'ai l'intention de lui faire tout le crédit qu'elle voudra. Quoi? Je vais seulement lui demander 50 francs par retour du courrier. Mais t'as pas lu sa lettre? C'est
ses 3 derniers louis. Où veux-tu qu'elle les trouve, tes 50 francs? Elle les trouvera, c'est moi qui te le dis. Évidemment, il faudra qu'elle se baisse un peu pour les ramasser, mais elle se baissera. Et quand elle aura commencé, nous sommes au début de juillet, attends seulement l'hiver. À la Noël, nos petites se baladeront dans de la fourrure, c'est moi qui te le dis. Attends seulement l'hiver, attends seulement les premiers froids. Eh ben, Cosette, tu laisses mourir le feu, on gèle ici. Allez, allez, ça va. Te mets pas en retard pour les commissions. Les boutiques vont être fermées. Oui, madame, j'y vais. Ah, vous voilà, vous n'avez pas eu trop froid. Chauffez-vous vite. Allez, Cosette. Laisse la place à ces pauvres chéris. Et puis dépêche-toi de filer. Ma grelotte, les mignonnes. Pourvu qu'elles ne prennent pas encore du mal. Elles ne peuvent pas durer tout l'hiver avec ces robes-là. Dis donc pas, les fourrures. Oh, tiens, c'est vrai, oui. Les fourrures. Qu'elle devait se balader avec dès les premiers froids. L'argent de la roulure de Montreuil, ben, il me semble qu'il n'arrive pas souvent. L'hiver est venu pourtant. Oui, mais il n'est pas fini. Une miche, bon. Voilà. Tu vas pouvoir porter tout ça? Mais oui, madame, j'ai l'habitude. Pauvre petit chou, c'est malheureux tout de même de laisser sortir des enfants comme ça, avec rien sur le dos. Bien sûr, mais c'est dur aussi pour les Thénardier. Ils sont saignés les 4 veines pour élever la Cosette avec leur gosse. Vous savez ce qu'est la mère? Non, une fille de Paris, qui a lâché sa petite pour aller faire la noce à Montreuil. Et qui ne trouve même pas le moyen de les payer régulièrement. Pas possible. Alors quoi? Y a personne? On ne sert pas ici! Voilà, monsieur, tout de suite! Vous désirez, monsieur? Mais ta mère, où est ta mère? Pourquoi me demandez-vous ça, monsieur? Cosette! Cosette, t'es rentrée? Sers vite la soupe! On va descendre! Oui, madame! C'est pas ta mère? Alors qu'est-ce que tu es ici? Moi, monsieur, je suis la bonne. Mais c'est la Guenon de Montreuil. Bonsoir, Guenon. Prends les affaires. Mais ne t'en va pas. Laisse-moi admirer ton sourire. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Oh, monsieur, laissez-moi passer. Comment donc, princesse? On est né gentilhomme, ah, n'est-ce pas, ma belle? Mais enfin, laissez-moi, voyons, monsieur. Il faut... Tu tous, ça sent une dent aussi, les singes. Mais pourquoi es-tu sorti sans ta fourrure?
Princesse, vous avez oublié votre Hermine. Permettez-moi de vous en offrir une petite en attendant. Abruti pioche! Oh, c'est indigne de faire ça à une femme! Oh, qu'est-ce que c'est que cette putain? Oh, putain, t'as dit! Car me rappelle-toi quand tu vas voir! Non, c'est tout ça! L'homme lâché! J'ai bien de poteau! Mais on ne peut plus sortir la nuit sans risquer d'être attaqué! Je suis putain! Scélérat! Regardez, qu'est-ce qu'elle nous colle au dandy? Arrache-lui l'oreille! Mords-lui l'œil! Vas-y! Mais viens! Tu vas la bimer! Mais viens! Allez, allez! Tu vas voir de quoi j'ai une chance! On va le tuer! Alors, on ne peut plus se débarrasser maintenant! Non, papa! Monsieur, voyons! Si monsieur veut venir avec nous... Mais certainement, monsieur! Allons, dégagez! Ah, mais monsieur, j'ai rien fait! Ça va te coûter cher, ça, notre fils. Oh, ma vitre! Mais qu'est-ce qui va payer ma vitre? Oh, c'est pas possible, monsieur l'inspecteur. On va pas me mettre en prison pour ça, j'ai rien fait. C'est le bourgeois que je connaissais pas qui m'a mis de la neige dans le dos. Je suis malade, ça m'a saisi. Mais j'étais honnête avec lui, je lui parlais pas. Enfin, monsieur l'inspecteur. Est-ce qu'on a le droit de nous faire ça? Mais non, monsieur le maire. Monsieur le maire, j'ai tout entendu, j'étais dans le café, moi. Et moi, j'étais dans la rue. Ah, alors... nous allons arranger ça. Oui, n'est-ce pas, monsieur le maire, parce que vous comprenez bien. Voilà comment ça s'est passé, monsieur le maire. Au fond, la fille n'avait rien fait. Mais oui, je vais vous expliquer. Ah, oui, là où... Il ne faut pas m'envoyer en prison, mon bon monsieur Javert. En prison, on ne gagne que 7 sous par jour. Alors comment voulez-vous que je paie les mois de ma petite? Et si je ne paie pas, ils l'abandonneront. Et elle mourra. Vous comprenez? Ah oui. Oui, j'ai une petite en pension à Montfermeil. Elle me coûte de l'argent. Tenez, je dois 100 francs au Thénardier. Les aubergistes, c'est qui s'occupe d'elle. Ah, c'est vrai. Oui, j'aurais dû vous le dire. Évidemment, vous ne pouviez pas deviner. Vous avez cru seulement que j'étais une mauvaise femme. Mais maintenant, mon bon monsieur Javert, vous comprenez pas? Vous comprenez? Oh, dites, si vous voulez, je peux bien aller demander pardon, monsieur. Mais je vous en supplie, monsieur Javert, m'envoyez pas en prison. Oh non, non, laissez-moi gagner de quoi sauver ma petite Cosette. Oh, monsieur Javert, ayez pitié. Alors. Je t'ai écouté, hein? Tu as bien tout dit. Allez, lève-toi, tu en auras pour 3 mois. Emmenez-moi cette fille au bloc. Comment, monsieur le maire, vous étiez là? Comment? C'est donc toi qui es monsieur le maire? Allez, au bloc! Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté. En liberté? Qu'est-ce qui a dit ça? Oh, c'est pas vous! C'est lui qui est cause de tout! Il m'a fait chasser de ses usines parce qu'un tas de gueuses disait des choses contre moi dans l'atelier! C'est pour ça que je suis devenue ce que je suis! Sans ça, j'aurais pu payer les Thénardier et faire venir ma petite fille! C'est pour elle que j'ai fait tout ça! Il faut bien que je nourrisse mon enfant! Alors, je vais partir. C'est vrai? On me laisse partir? Oh, merci, monsieur l'inspecteur. Oh, merci. Merci, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Qui donne des ordres? Moi.
Comment, monsieur le maire, mais ça ne se peut pas. Comment? Cette fille a insulté un bourgeois. Je me suis renseigné. En bonne police, c'est le bourgeois qui avait tort et qui aurait dû être arrêté. Mais elle a outragé monsieur le maire. Elle doit faire 3 mois de prison. Pas un jour. Elle n'en fera pas un jour. Je suis au désespoir de résister à monsieur le maire, mais ceci est un fait de police qui me regarde. Je dois retenir la femme Fantine. J'ordonne que cette femme soit mise en liberté. Monsieur le maire, pardon. Plus un moment. Pourtant. Sortez. J'ignorais ce que vous m'avez dit. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi? Alors, remettez-vous. Désormais, personne ne vous fera de mal. Voilà, je vais faire venir votre enfant. Et si vous méritez d'être aidé, soyez sans crainte, je ne vous abandonnerai pas. Accompagnez-la à l'infirmerie. Oh, merci, monsieur. C'est pour moi? Non, monsieur le maire, c'est pour monsieur l'inspecteur. Bien. Merci, ma sœur. Comme tout le monde est bon avec moi maintenant, que ça change. Les deux poumons. Alors. Ma sœur, est-ce que vous savez quand je vais voir ma petite Cosette? Dès que vous serez guérie. Je suis guérie. Je suis sûre, si elle était là, je pourrais travailler tout de suite. Il faut le dire à monsieur Madeleine avant qu'il s'en aille. Soyez tranquille, Fantine. Notre supérieur en parlera tout à l'heure à monsieur le maire. Reposez-vous. Cosette, approche, Cosette. Allons, Cosette, approche, n'aie pas peur. Viens regarder. La chère petite. Mais tu peux toucher. On les mettra tous les jours. Ah ben, il ne manquerait plus que ça. Pendant que votre père se tue au travail pour vous nipper, vous aviez carré demoiselle dans les rues les jours de semaine. Mais s'il fait très froid. Ou alors, on verrait. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait là depuis une heure, à tourner autour des fourrures? Veux-tu finir de balayer la salle? Puis vous deux, vous allez monter et serrer vos belles pelisses dans l'armoire qui ferme à clé.
Est-ce qu'avait raison, 300 francs d'un coup, la Fantine a dû trouver enfin un jeu Christ qui paie bien. Il ne faut lâcher la môme à aucun prix. Thénardier, t'es rudement fort. Eh ben Cosette, à quoi que tu penses? Tu laisses la moitié de la poussière sous les bancs. Laisse-la. Je commence à l'aimer, moi, cette petite. Il est possible que je sois absent 2 ou 3 jours. Cette malheureuse Fantine ne va pas très bien. J'irai probablement moi-même chercher sa fille à Montfermeil. Mais je ne partirai pas avant demain matin. Voilà. Attendez. Faites-moi signer ce billet par Fantine et qu'on me le rapporte à ma maison. Monsieur le maire, vous n'oubliez pas que Monsieur Javert attend toujours. Oui. Il a dit que c'était pour une communication très urgente. Mais vous faites entrer, faites-vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a, Javert? Monsieur le maire, j'aurais pu vous donner ma démission, mais ça ne suffirait pas. Il faut que je sois destitué. Je ne comprends pas. Monsieur le maire, il y a 15 jours, à la suite de cette scène avec la Fantine, j'étais furieux et je vous ai dénoncé. Dénoncé? À la préfecture de police de Paris. Dénoncé comme ayant empiété sur les attributions de la police? Comme ancien forçat. Monsieur le maire, je le croyais. Une ressemblance, cette histoire du vieux avec la charrette, votre jambe qui traîne, enfin, des bêtises. Je vous prenais pour un ancien forçat nommé Jean Valjean. Un nommé? Jean Valjean. Un ancien forçat du bagne de Toulon, que j'ai connu quand j'étais garde-chourme. En sortant du bagne, il avait volé chez un évêque et détroussé un petit savoyard. On le recherche depuis 7 ans. Enfin, j'avais cru, je vous ai dénoncé à la préfecture. Et que vous a-t-on répondu? Que je me trompais. Pourquoi? Mais, monsieur le maire, parce qu'on a retrouvé Jean Valjean. Hein? Oui, monsieur le maire, c'est un bonhomme qui se fait appeler Champmathieu. Cet automne, on l'arrête pour un vol de pommes à cidre. On le coffre à Arras. Là, un ancien forçat nommé Brevet le reconnaît pour être Jean Valjean. Champmathieu nie, et on découvre, entre autres, qu'il y a une 30aine d'années, ce Champmathieu vivait à Faverolles comme Jean Valjean. Et alors? Alors, on a clos l'instruction. L'affaire passe demain aux assises. À titre d'ancien adjudant du bagne, j'y suis cité comme témoin. Il faut d'ailleurs, monsieur le maire, que je parte cette nuit même pour aller déposer. Et que dit l'homme? Oh, c'est un malin. Tout autre que Jean Valjean serait cuit. Mais lui a l'air de ne pas comprendre. Il dit, je suis Champmathieu et ne sors pas de là. Il fait la brute. Mais c'est égal, les preuves sont là, le vieux coquin sera condamné. Vous partez tout à l'heure? Oui, monsieur le maire. Et combien de temps durera l'affaire? Une séance tout au plus. L'arrêt sera prononcé au plus tard dans la soirée. Du reste, je n'attendrai pas le jugement. Sitôt ma déposition terminée, je reviendrai ici. Bien. Merci. Monsieur le maire ne m'a pas répondu au sujet de la chose. Laquelle? Ma destitution. Nous verrons ça quand vous serez de retour. Monsieur le maire, je continuerai dans mon service jusqu'à ce que je sois remplacé.
Je vais vous faire signer un billet que monsieur le maire veut avoir tout de suite. Pour faire revenir ma petite Cosette. Oui. C'est monsieur Madeleine qui va aller la chercher. Il reviendra quand? Soyez sage, Fantine, et restez calme. Je ne veux pas risquer de faire un mensonge, mais je crois bien en effet que monsieur Madeleine ira chercher lui-même votre enfant. De toute façon, c'est impossible, puisqu'on le juge demain soir. Je n'aurai la voiture qu'à 5 heures du matin. Est-ce que le cheval que j'ai peut faire ça? Impossible. Fini cette histoire. Je ne vais pas être poursuivi éternellement. Je ne suis plus Stanley. Je suis monsieur Madeleine, maire de Montreuil. C'est moi qui ai fait surgir toutes ces usines. J'ai fait du mal, j'ai fait du bien. Et j'ai fait plus bien que j'ai fait du mal. J'ai des devoirs vis-à-vis de ces gens que je fais vivre. Et si Dieu a permis toutes ces choses, c'est que Jean Valjean est mort.
Valjean est mort. Jean Valjean est mort. Pour trois pommes volées dans un clos, Champmathieu serait puni de 3 mois de prison. Pour les crimes de Jean Valjean, récidiviste, il sera frappé à vie. Qu'est-ce que c'est? Qui a osé? Qui a parlé? Jean Valjean est mort! Qu'est-ce que c'est? Il est 5 heures, monsieur! La voiture est en bas! La voiture? Ah! C'est bon, j'y vais. Il a eu l'avoine? Ah oui, monsieur le maire. Bonne ration? Ah, une double. Pourra faire 20 lieues dans la journée? 20 lieues dans la journée? Pour aller faire seulement. Ça va, ça va, ça va. Allez! 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 20 lieues d'une seule traite? Ça, au petit don, allez! Il est à craindre que nous n'ayons encore une crise dans la journée. Elle pourrait s'en aller comme ça, sans avoir revu sa petite fille. J'en ai peur, ma mère. Monsieur Madeleine ne pourra rentrer au plus tôt que demain dans la soirée. Si elle était encore en vie demain soir, vous ne croyez pas que la vue de son enfant pourrait... C'est possible. Seulement... Cosette. Mon enfant, Cosette, vous avez parlé de Cosette? Elle va venir? Oui, Fantine, mais calmez-vous. Monsieur Madeleine est parti. Depuis quand? Combien de temps ai-je dormi? Il va revenir avec ma petite tout à l'heure. Oh, dites-moi qu'il va revenir tout à l'heure. Ma bonne petite sœur, c'est vrai, tout à l'heure.
Il faut demander au médecin. Oui, M. Madeleine rentrera sans doute dans la nuit, vers minuit. Vers minuit? Oh, si tard. Quelle heure est-il? Il est 10 heures du matin, Fantine. Oh, 10 heures. Jusqu'à minuit. Ça fait... Ça fait si longtemps. Au moins, si je dors, on me réveillera dès qu'elle arrivera. Soyez tranquille. Oh, d'ailleurs, je le sentirai bien. Oh, je sentirai bien quand ma petite sera là. Qu'est-ce qu'on juge? C'est l'affaire Valjean. Bien, je croyais qu'il y avait un petit infanticide avant. Ah oui, mais c'est déjà fini. L'avocat général ne plaisante pas. Il a eu sa condamnation à mort en un quart d'heure. C'est l'affaire Valjean qui va commencer. Messieurs, la cour! C'est encore loin, Rat. Encore une lieue. Non, messieurs, non, je ne me trompe pas. L'homme qui est ici ne s'appelle pas Champmathieu. C'est l'ancien forçat Jean Valjean. Il a fait 19 ans de bagne pour vol qualifié et a essayé de s'évader 4 fois. Quand j'étais au bagne de Toulon, j'ai eu avec lui les pires difficultés. Je répète que je suis sûr de ne pas me tromper, que je le reconnais parfaitement. La cour remercie l'inspecteur Javert. Vous pouvez disposer. La parole est à monsieur l'avocat général. Messieurs, nous n'avons pas seulement devant nous un voleur de grand chemin, mais nous avons maintenant la certitude de tenir un ancien forçat, un criminel endurci. En un mot, cet affreux Jean Valjean que la justice recherche depuis 8 ans. Voyez bien le cheval. Tenez-le prêt à partir dans 1 heure. Dans 1 heure. Faites ce que je vous dis. Le petit va me conduire au palais de justice. Dans 1 heure. Eh bien, ma pauvre cocotte, on voit bien que c'est pas lui qui trotte. Je ne dirai pas davantage. Vous apprécierez, messieurs les jurés. Mais c'est en étant sévère que vous serez juste. La parole est à la défense. Et alors que je peux rien dire, moi? Vous avez une déclaration à faire? Si, pour sûr. Parlez, Champmathieu. Voilà, j'ai à vous... Voilà, j'ai à vous dire ça, que je suis le père Champmathieu. Que j'étais charron à Paris, même que j'étais chez monsieur Balou. Que je gagnais 30 sous par jour et qu'il ne me payait pas cher rapport à mes 52 ans. Et que les maîtres, ils abusaient de mon âge. Et avec ça, j'avais une fille qui était blanchisseuse à la rivière. Ce monsieur désire assister à l'audience. De son côté, quand elle, à 7 heures, quand elle rentrait de travail,
Faites-vous entrer. Parce qu'il était fatigué. C'était une pauvre fille qui n'allait jamais au bal. Et qui était bien tranquille. Oui, ça, bien tranquille. Vous n'avez qu'à demander à Paris, à M. Malou. Mais puis je sais pas moi ce que vous me voulez avec toutes vos histoires. Silence ! Accusé, les présomptions les plus graves pèsent sur vous et peuvent entraîner des conséquences capitales. Avez-vous enfin quelque chose de clair à nous dire ? Si oui, je vous laisse la parole. D'abord, Monsieur le maire se trouve ici dans la chambre du conseil. Il n'aura qu'à ouvrir cette porte et se trouvera directement dans la salle des assises, derrière le fauteuil de monsieur le président. Monsieur Madeleine, ne m'abandonnez pas. Où êtes-vous? Oh, vous m'entendez? Entendez-moi. Avant que je parte. Oh, ma petite Cosette. Demain, elle n'aura plus personne. Elle sera toute seule. Vous m'avez promis, monsieur Madeleine. Je vous la confie. Oh, prenez pitié d'elle. Protégez-la. Aimez-la, monsieur Madeleine. Ne vous laissez pas impressionner, messieurs les jurés, par l'attitude et le baiser de cet homme. Sa stupidité est fin. Son abrutissement est assuré. Son luxe par roman ne peut tromper personne. Il est évident que vous n'êtes pas Champmathieu. Il est évident que vous êtes le forçat Jean Valjean, caché sous le nom de Champmathieu, qui était le nom de sa mère, et que vous êtes allé en Auvergne. Vous avez vécu à Faverolles et vous avez volé avec escalade des pommes dans le clos Pierron. C'est pas vrai! J'ai rien volé! Je suis un homme qui ne mange pas tous les jours. J'ai trouvé une branche où il y avait des pommes et je l'ai ramassée. Voilà! Après ça, depuis 3 mois, vous me trimballez en prison. J'ai ramassé quelque chose qu'il y avait par terre. Voilà. Vous dites que je suis Champmathieu, que je suis Jean Valjean. Je ne connais pas. Je connais pas ces personnes. Oui. Je connais M. Balou, boulevard de l'hôpital à Paris. Voilà. Vous êtes bien malade de dire où je suis né. Tout le monde n'a pas une maison pour venir au monde. Mon père et ma mère, ils allaient sur la route.
Quand j'étais petit, on m'appelait mon petit. Maintenant que je suis vieux, on m'appelle mon vieux. Voilà mes noms de baptême. Et puis, vous prendrez ça comme vous voudrez. J'ai été à Faverolles et en Auvergne. Et oui, on n'est pas un Canadien parce qu'on va à Faverolles et en Auvergne. Je suis Jean-Mathieu. Je suis Jean-Ron. Je connais Monsieur Palou. À Paris. Et voilà. Puis vous m'embêtez avec toutes vos histoires. Que vous feriez mettre en colère, nom de Dieu. C'est avec... Monsieur le Président, en présence des dénégations confuses et fort habiles de l'accusé, qui voudrait bien se faire passer pour fou, et qui n'y parviendra pas, nous l'en prévenons. Monsieur le Président, je déposerai des conclusions tout à l'heure sur cette intolérable insinuation de l'accusation. Qui est en train de vous trompasser ses droits? Si vous voulez, mon cher maire, nous prions la Cour de bien vouloir appeler de nouveau à la barre les condamnés Brevet, Cochepaille et Chenildieu, afin qu'ils soient questionnés une dernière fois sur l'identité de l'accusé. Faites appeler Brevet, Cochepaille et Chenildieu. Vous avez subi une condamnation infamante et vous ne pouvez prêter serment. Cependant, même dans l'homme que la loi a dégradé, il peut rester un sentiment d'honneur et d'équité. C'est à ce sentiment que je fais appel à cette heure décisive. Il est encore temps de vous rétracter si vous croyez vous être trompé. Accusé, levez-vous. Brevet, regardez bien l'accusé. Rappelez vos souvenirs. Et dites-nous en votre âme et conscience si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean. Oui, monsieur le Président. C'est moi qui l'ai reconnu le premier. Et je persiste. Je reconnais parfaitement. Oh, je suis là. En blague. Allez vous asseoir. Accusé, restez debout. Approchez, Chenildieu. Vous avez entendu la question que j'ai posée à Brevet. Reconnaissez-vous l'accusé pour être votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean? Si je le reconnais, nous avons été 5 ans attachés à la même chaîne. C'est lui, Jean Valjean. Allez vous asseoir. Bon. Approchez, Cochepaille. Vous avez entendu la question que j'ai posée à Brevet et à Chenildieu. Reconnaissez-vous l'accusé pour être votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean? Il n'y a pas de doute possible, monsieur le Président. C'est Jean Valjean. Même quand on l'appelait Jean le Cri, tant il était fort. Fameux. Silence! Accusé, vous avez entendu. Qu'avez-vous à dire, fameux? Monsieur, je vous en prie, faites faire silence. Je vais faire évacuer la salle. Brevet, Cochepaille, Chenildieu. Regardez de ce côté, monsieur Madeleine. Vous ne me reconnaissez pas? Messieurs les jurés, faites relâcher l'accusé. Monsieur le Président, faites-moi arrêter. L'homme que vous cherchez, ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis Jean Valjean. Messieurs les jurés, vous connaissez tous, au moins de réputation, l'honorable monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer. L'incident si étrange et si pénible qui vient de troubler l'audience ne peut vous inspirer qu'un sentiment que nous n'avons pas besoin d'exprimer. Qu'est-ce qu'on attend, non, monsieur? Ça fait déjà 1 heure de retard. Que je sois à Montreuil demain matin, moi. Oh. Est-ce que la malle d'Amiens va nous attendre? Ben oui, vous arriverez. Vous allez à Montreuil?
Oui. On ne demandez pas à mon client qui vous emmène. Il en vient, lui. Et je vous jure qu'il ne traîne pas. Où est-il? Il a corrompu la justice. C'est un petit de là qui l'a emmené. Je vous comprends, monsieur le président. Je vous comprends bien. Et je vous en remercie. Mais je ne suis pas fou. Vous alliez commettre une grande erreur. Relâchez cet homme. J'accomplis un devoir en vous le demandant. Je suis le seul qui voit clair ici. Je dis la vérité. J'ai volé Monseigneur Myriel, c'est vrai. J'ai volé le petit Savoyard, c'est vrai. Mais toute la faute ne m'en incombe peut-être pas. Écoutez, messieurs les jurés, un homme aussi abaissé que moi n'a pas de remontrance à faire à la Providence et n'a pas de conseil à donner à la société. Mais voyez-vous, l'infamie dont j'avais essayé de sortir est une chose abominable. Ce sont les galères qui font le galérien. Recueillez ça si vous le voulez. Vous trouverez chez moi, dans le tiroir de mon bureau, la pièce de 40 sous que j'ai volée il y a 7 ans au petit Savoyard. Vous ne me croyez pas? Ceux-là ne me reconnaissent pas davantage? Eh bien, moi, je les reconnais. Brevet, te rappelles-tu les bretelles de tricot à damier que tu avais au bagne? Chenille Dieu, tu as l'épaule droite profondément brûlée. Tu avais couché l'épaule sur un réchaud plein de braise. Pour y effacer les trois lettres TFP. Pourtant, on les voit toujours. Réponds. Est-ce vrai? C'est vrai. Cochepaille, tu as au bras gauche, près de la saignée, une date gravée en lettres bleues, avec de la poudre brûlée. Cette date est celle du débarquement de l'empereur à Cannes. 1er mars 1815. Relève ta manche. Vous voyez bien que je suis Jean Valjean. Je ne veux pas troubler davantage l'audience. J'ai un important devoir à remplir. Une promesse faite à une mourante. Je n'ai l'intention ni de disparaître ni de me tuer. Monsieur l'avocat général sait qui je suis. Il sait où me trouver. Il me fera arrêter quand il le voudra. Monsieur l'avocat général, je reste à la disposition de la justice. Thank you.
Ben quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu es libre? Forcément. Je suis perturbateur. Ils n'ont pas le droit de me garder. C'est vrai. Ce qui est grand, c'est qu'ils n'ont pas gardé l'autre non plus. Quel autre? Des envahis, non. Ils l'ont pas cru. Oui. C'est toi. Il est parti? Oui, il est parti. Ils ont pas mal gueule dans leur corporation. Ils veulent croire personne. Moi, je leur dis, je suis père Champmathieu, ils m'ont pris pour un menteur. L'autre leur dit, je suis Jean Valjean, ils veulent l'envoyer chez le médecin. On sait qui en est, quoi. C'est vrai, pas... Ils ont bouché dans leur métier. Mais non, mon cher maître. La justice ne peut pas être plus longtemps bafouée. Les ordres sont donnés et cet homme sera repris coûte que coûte. C'est pas de moi qui parle. Ils n'auraient pas changé d'idée. S'ils trouvent un autre qui me ressemble, ils seraient bien capables de me reprendre. Je m'en vais. Parce qu'on n'a pas la chance tous les jours. Hein. Si j'étais renseigné à M. Balou, tout ça, ça ne serait pas arrivé. Ma soeur, c'est M. Madeleine avec Cosette. Mais Cosette, mais où est Cosette? Fanti. Endormez-vous sans crainte. J'ai été retenu par un autre devoir. J'irai chercher Cosette. Et désormais, je veillerai sur elle. Je vous le jure. Jean Valjean. Qu'est-ce qui arrive, monsieur Valjean? Assez de comédie, hein? Viens, allez! Mais je vous conseille de ne pas me déranger en ce moment. Bonne Sainte Vierge, tout près de moi. Voilà. J'ai mis un berceau de ruban orné. Dieu me donnerait sa plus belle étoile. J'aime mieux l'enfant que tu me donnais. Je te le jure. Thank you.
C'est votre devoir, Javert. Mais je vous avertis que rien ne m'empêchera de faire le mien. Donnez ceci à monsieur le curé, ma sœur. Je lui demande de remettre au pauvre de Montreuil tout ce que je laisse ici. C'est une bien faible part. Le reste est à Paris. Ce sera pour Cosette. Trop tard. Retirez-vous, ma sœur. Cachez-vous. Comment êtes-vous ici, ma sœur? Monsieur le curé m'a envoyé chercher un pli que Monsieur Madeleine avait laissé pour lui sur son bureau. Vous êtes seule dans cette pièce? Oui. Écoutez, ma sœur, je sais que vous ne mentez jamais. Jamais, n'est-ce pas? Mais je dois insister, c'est mon devoir. Il n'y a plus de M. Madeleine. Il n'y a plus qu'un nommé Jean Valjean. Il s'est échappé tout à l'heure de la prison de Montreuil. Vous ne le saviez pas? Nous le cherchons, vous ne l'avez pas vu? Non. Bien, pardon. Ma sœur.